Bonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc, je vais vous présenter différents types de protections utilisées actuellement dans Windows Vista, 7. C'est principalement de l'exploitation Windows. Donc, il y aura des bases assembleurs à avoir en une demi-heure. C'est très difficile de vous présenter tous les bypass qui vont bien. Donc, je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas là. Je m'appelle Warren Levin et je suis étudiant en tout ce qui est forensic computing, investigation en criminalité informatique. Et donc, je suis passionné par la sécurité informatique comme beaucoup d'entre vous. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir l'histoire de l'exploitation, 98 jusqu'à de nos jours, 2011. Comment on exploitait toutes ces vulnérabilités dans le passé. Aujourd'hui, tout ce qui est GS, Stack Cookie sous Linux, propos SSP, SEH, DEP, NX, ASLR et tous les bypass qui vont bien. Et une réflexion sur le futur. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? 1972, c'est le premier paper dans lequel les buffer overflow ont été présentés officiellement. Officieusement, ça doit être connu depuis les années 50, les années 60. Donc, 72, 96, vous avez le fameux paper d'Aleph Wan, Smash the Stack for Fun and Profit. Vous avez toutes les techniques de reuse, en fait, de code reuse, de Solar Designer. Matt Conover, il fait les heap overflow, format swing, et vous avez le reste. Donc, les protections, en fait, elles ont suivi bien après. Les buffer overflow ont été exploités pendant 20 à 30 ans avant qu'il y ait des premières protections, le DEP. Cette protection consiste à rendre des zones non exécutables. Donc la stack, on pouvait plus retourner sur la stack directement et exécuter du code. Il fallait passer par d'autres techniques comme le Red to Lead de Solar Designer. Donc on est passé au DEP, à SLR en 2005, macOS. Et macOS, on se rend compte en fait qu'ils sont toujours les bons derniers. Ils arrivent toujours 3 ou 4 ans après Linux. De nos jours, macOS, si vous exploitez, l'ASLR est très partiel. C'est fait par machine et pas par process. Vous bootez votre machine et en gros, tous vos process auront plus ou moins le même address space. Mais si vous éteignez, vous le rebootez, vous aurez un autre address space, mais il sera partagé entre tous les process, en fait. Donc, les formats string. Les formats string, ça consiste à exploiter toutes les fonctions d'affichage de chaînes de caractères, de conversion de chaînes de caractères dans un buffer. Ça pouvait provoquer des buffer overflow, du même leak, de l'écriture arbitraire en plusieurs endroits. Et ceci grâce à une utilisation très commune de feignasse, en fait, de glofeignant développeur. Au lieu de faire un print pourcentage S str, il faisait le print F str. Autant dire que c'est une vulnérabilité très facile à trouver. Mais encore existante, comme le dernier formatting que j'ai vu, c'était dans Exim 4. Donc, c'est permis par un pourcent N qui va vous écrire le nombre de caractères affichés à l'écran dans une variable, en fait. Et vous manipulez la stack avec pourcent X qui vous permet de popper. Ça vous permet de lire des informations sur la stack et pourcent N vous permet d'écrire en gros. Donc ça donne quelque chose comme ça, vous craftez votre format string comme ça, vous mettez vos adresses où vous voulez écrire, le pourcent X pour générer vos valeurs et le pourcent N pour écrire. Donc là c'est des long regs, vous en avez quatre. Et le désavantage de cette technique, c'est que vous utilisez 3 bytes au-delà. Vous écrivez 3 bytes, junkés, et puis c'est fini. Et ça peut poser des problèmes de stabilité pour l'exploit. Donc, un buffer overflow, qu'est-ce que c'est? En entendant souvent parler de buffer overflow, tout ça, bon, maintenant on va plutôt parler de memory corruption, corruption mémoire. Donc, en fait, vous avez votre buffer qui se trouve dans la zone locale, qui va réécrire toute la stack frame. Le SEBP, c'est ce qui va définir, parce qu'une stack frame, vous avez le début, EBP, c'est la base de votre stack, ESP qui est le haut de votre stack. Donc SEBP, c'est le pointeur de base de la stack frame précédente. Et SEIP, ben, c'est l'adresse de retour sur lequel votre fonction va retourner après écriture. Donc, en gros, dans le passé, il suffisait d'écrire SEIP, de pointer ça sur la stack et vous exécutez du code. Ni plus ni moins. Très facile.
Donc, les instructions responsables pour cela, move EVP dans ESP, bon, on remet ESP où c'était, pop EVP, EVP est corrompu, on s'en fout. RET, il va popper votre adresse de SEIP, puis vous contrôlez. S-Windows, une technique très 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 utilisée avant Windows XP, c'est le SSH exploitation. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fiable au niveau exploitation, dans le sens où en fait on touche aux exception handlers, c'est-à-dire que si vous avez une erreur mémoire, une erreur de division, une erreur de calcul ou tout ce que vous voulez, ça va directement tomber dans le handler. Et donc, vu que c'est vous qui contrôlez le handler, ça tombe dans votre shellcode, dans votre code, et vous contrôlez la machine. Donc, Alex Sotirov, en 2009, il a présenté toutes les protections actuellement utilisées dans les Windows. En gros, vous avez une très nette séparation entre 2003 et avant et après. Avant 2003, en gros, vous avez tout ce qui est DEP, page non exécutable, stack non exécutable, heap non exécutable, mais vous n'avez pas l'ASLR. Je vais vous montrer tout à l'heure que sans ASLR, le DEP, il sert en fait à rien du tout. Et tout ce qui est SEH Chain Validation, SEHOP, je voulais en parler, mais manque de temps, non. Donc, Stack Cookie, tout ce qui est Stack Guard, une des premières protections, ça aurait été de mettre une valeur arbitrairement générée par des fonctions mathématiques pseudo-random. Et en fait, en essayant de réécrire l'adresse de retour de votre fonction, vous réécrivez aussi cette valeur. Ce qui permet de détecter que vous avez essayé de corrompre la mémoire et donc d'arrêter toute exécution de code. Ça, c'est vrai ou pas? Et en fait, vous avez plusieurs types. Random, random XOR, c'est-à-dire avec la valeur de retour. Et donc, même si vous arrivez à écrire la valeur de retour, vous aurez réécrit le cookie et puis ça ne va pas marcher, en fait. Et le cookie est vérifié avant le retour de la fonction. Donc, les bypass. Ah, excusez-moi, le schéma. Donc, comme vous pouvez voir, si vous essayez de réécrire SEIP, vous réécrivez le cookie. Et dans tous les cas, on vérifie ce cookie, donc on arrête l'exécution. Alors, les bypass. On me dit souvent sur IRC, sur MSN, c'est non bypassable. Normal, dans les challenges, on ne vous donne pas de pointeur. On vous dit réécrivez et puis basta. Dans ces conditions, on ne peut pas le bypasser. Mais en fait, il y a plusieurs techniques pour le bypasser. Vous avez les formats string, vous pouvez réécrire par-dessus le cookie. Enfin, vous réécrivez le SEIP sans toucher au cookie. Et vous pouvez utiliser des pointeurs, générer des tables d'adresses virtuelles comme utilisant C++. Et vous pouvez trigger le SEH en fait. Si vous arrivez à trigger le SEH, vous allez arriver à exécuter du code bien avant la vérification du cookie. Donc, cookie bypassé. Et il y avait une très vieille vulnérabilité dans Visual Studio 2004 ou 2005 qui était très rigolote en fait. Je vous remonte le schéma de stack. En gros, vous aviez vos arguments là, et après les arguments, vous aviez un pointeur de fonction qui était un handler par défaut, qui était appelé automatiquement avant ou après le check de cookie, et dans tous les cas, si vous arriviez à le réécrire, vous retombez dans votre code, en fait. Un vieux bug d'implémentation. Donc, le SSH, technique très commune, parce que il fallait protéger le SSH. Ça consiste en fait à créer une table des fonctions dans votre binaire. Et dès lors que vous essayez de réécrire le handler de votre structure exception handler, il y a une vérification que ce handler fait bien partie de cette table. Si ce n'est pas le cas, votre exécution elle est interdite. Ça interdit tout ce qui est read to code, pop-up read, qui est la technique habituelle quand vous avez le pointeur vers votre payload, en fait. Donc, comment ça se bypass? Tout simplement, pas de exploit SEH, on tape directement dans le SEIP, pas de handler, donc pas de vérification de tableau.
Et vous avez aussi l'utilisation de modules non CFSEH, ce qui concerne 60 à 70% des modules non Microsoft que j'ai vus. Alors, la SLR, c'est la dernière protection à la mode. Ça a été ajouté dans Windows Vista SP0, si je me trompe pas. En fait, toutes les attaques de code, d'exécution de code, de corruption mémoire, se basaient avant sur le fait qu'on connaissait les adresses du binaire de la stack qui était statique, qui ne bougeait pas du tout. Et donc, solution simple, on va randomiser ça, on va rendre des adresses aléatoires et bon courage pour les trouver. Donc, la stack, la heap, le kernel Windows, il est randomisé. Sous Linux, ce n'est pas le cas. Et macOS, comme je vous disais, jamais, et ça va apparaître cette année avec macOS Lion. C'est une des 250 nouveautés qu'ils ont soi-disant implémentées. Donc, la SLR, ça se bypass quand même. Vous avez tout ce qui est information leak, c'est-à-dire une reconstruction de la mémoire de votre programme. En leakant, par exemple, une ou deux adresses, vous êtes capable de reconstruire tout le layout du programme et donc de connaître les adresses statiques. Et en fait, vous ne travaillez qu'avec des offsets. Un offset, c'est un décalage relatif par rapport à la valeur absolue. Par exemple, une adresse absolue, ça serait 51 rue de Paris, par exemple. Une adresse relative, ça serait, tu tournes à gauche à partir de ce stop et de ce camion, et puis voilà. Enfin, voilà. C'est un peu le même principe. Donc, vous avez tout ce qui est partial overwrite, read to code, c'est-à-dire, on connaît les adresses du binaire, si ce n'est pas compilé en PIE, position independent executable. Et puis, on peut utiliser les pointeurs sur la stack, du heap spraying et du brute forcing. Alors, les exploits actuels, c'est surtout les plus prisés, c'est surtout les exploits browser, Firefox, Internet Explorer, Chrome, et tout ce qui est PDF. Car vous utilisez du JavaScript, et avec du JavaScript, vous êtes capable d'allouer de la mémoire comme vous voulez, en fait, en faisant des concaténations de chaînes. Et le heap spraying, ça consiste à créer une zone de 200 mégaoctets. Mais vraiment, vous allouez 200 ou 300 mégaoctets et vous mettez une adresse statique et vous retombez dedans, en fait. Et la dernière protection que je vais vous présenter, c'est le DEP et le NX. Donc, c'est les pages, mettre les pages comme non exécutables. C'est supporté en hardware par Intel et AMD, NX, le bit NX ou XD, c'est la même chose. Et vous avez quatre policies sous Windows XP, avant Vista. Opt-in, c'est-à-dire vous mettez toutes les applications que vous mettez dans cette liste sera en DEP NX et tous les autres normal. Opt-out, blacklisted, c'est-à-dire que toutes les applications qui seront dans cette liste ne seront pas en DEP NX, tout le reste le sera. Always on, c'est toujours on pour toutes les applications, quelles qu'elles soient. Et always off, jamais. Donc le bypass. Bon, le bypass, c'est passé par des fonctions qui vous permettent de remettre ces zones mémoire comme exécutables et écrivables. C'est aussi, le principe, c'est aussi d'allouer de la mémoire écrivable et exécutable. Et vous allouez de la mémoire, vous modifiez les protections sur les pages. Mais il faut que vous ayez accès à ces pages et que vous puissiez retourner dessus. Le but, c'est quand même d'exécuter du code. Et une des techniques les plus intéressantes qui m'a été donnée de voir, c'est le Write Process Memory. Le principe, c'est que la fonction se réécrit sur elle-même, en fait. Et donc, vous exécutez du code à la suite de votre réécriture. C'est assez spécial comme technique. Donc, il y a deux types de payload drop. La première chose que vous faites dans chaque exploitation d'application écrit en C, C++ ou quand vous avez du code binaire, c'est de trigger la vulnérabilité, la provoquer. Donc savoir que vous avez une corruption mémoire, c'est la première étape à l'écriture d'un exploit. Et puis regardez toutes vos zones mémoire si vous avez des adresses statiques. L'important c'est d'avoir soit des adresses statiques, soit avoir une zone
qu'on puisse contrôler, soit avoir, être capable de créer un layout de stack qu'on peut contrôler, de heap, enfin quelque chose qu'on peut contrôler. Le principe, c'est de supprimer tout ce qui est plus ou moins aléatoire et obtenir une fiabilité pour votre exploit, en fait. Donc, comme je vous disais, le but dans l'Europe, c'est partial Europe, c'est d'abord d'avoir accès à une zone mémoire écrivable pour pouvoir copier votre payload, exécutable pour pouvoir retourner dessus et exécuter du code. Donc ça, et puis après vous avez des stagers et tout ça. Donc ça c'est un exemple, c'est un challenge. Bon, je ne vous ferai pas la démo de ce challenge que j'ai très bien détaillé sur mon blog en fait. Donc dans ce challenge, il fallait exploiter un simple buffer overflow en remote sur Windows XP. Donc moi je suis passé par direct read overwrite. Donc déjà j'ai pas de problème de SSEH. Et aussi j'allouais de la mémoire en fait. J'allouais tout la mémoire exécutable, écrivable. Et en fait j'avais deux stages. La première partie du stage de l'exploit, ça concernait tout ce qui était mémoire. La deuxième partie, ça concernait toute la partie payload. Donc ça m'a permis de bypasser le DEP et puis d'autres petits soucis. Bon, par contre, si vous faites des challenges, faites pas comme cet organisateur. On a eu droit à 3 binaires compilés. Premier, il était non exploitable, debug et JS. Deuxième, il n'y avait que le JS. Et le troisième, il était enfin exploitable. Bon, on a patché et puis on a quand même exploité. Alors, le deuxième type de payload drop, c'est-à-dire return-oriented programming. Le principe, c'est d'utiliser du code déjà existant dans un binaire, car votre binaire, vous savez que vous avez des zones exécutables. Mais si leurs adresses sont statiques, vous pouvez réutiliser ce code. Et on utilise des parties de code bien spécifiques, soit près d'instructions RET, de return, soit d'instructions jump, ou de call, ou enfin toutes les instructions de branchement en gros. Et au-dessus, vous avez peut-être une ou deux instructions qui vont faire des opérations basiques. Ça va soit être une addition entre deux valeurs, soit ça va être une mise à zéro d'une variable, soit ça va être comme ici du patching. Ce genre d'instruction est très intéressant parce que vous pouvez, par exemple, si je veux construire un shellcode dans ma stack ou dans ma heap ou peu importe, ECX, je peux générer des valeurs et une instruction en gros c'est une valeur. Donc je peux générer mes instructions en patchant la stack petit à petit en fait. Et vous pouvez créer beaucoup de choses avec l'EROP, mais ça devient très vite complexe. Et donc EIP, il va slider dans toutes les adresses en fait. Donc, maintenant, ça, c'est le spot que j'ai spécialement développé pour ce talk. Donc, c'est une démo full ROP. C'est un stager connect back, c'est-à-dire que j'avais plusieurs contraintes à satisfaire. Premièrement, toutes les majuscules, c'est interdit. Donc, déjà, vous pouvez oublier tout ce qui est alpha 2, les encodeurs alpha habituels. Ils sont tous morts parce qu'ils ont tous des majuscules dedans. Donc, c'est... Il y avait deux solutions en fait pour bypasser ça. Soit j'écrivais un encodeur, bon, je me suis dit ouais bon c'est assez classique. Soit je faisais un truc full ROP. J'ai pas vu beaucoup d'exploits full ROP donc j'ai fait ça. Je fais de la résolution d'un port, c'est-à-dire que dans votre binaire quand vous appelez une fonction, dans votre binaire vous avez un tableau dans lequel vous avez les noms des fonctions mais vous n'avez pas les adresses. Et quand vous allez exécuter votre programme, l'OS, le loader de l'OS, il va regarder le nom de votre fonction. Il va mettre l'adresse qui va bien dans ce tableau. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la résolution d'un port. Donc, en gros, je fais ça dans mon exploit. Je fais du fixing. On n'a pas droit au terminateur nul. Parce que tout ce qui est fonction str, cpy, str, n, cpy et tout, ils vont arrêter de copier dès qu'ils arrivent à un nul. Donc, il fallait que je fixe ça, que je fixe les arguments, les adresses, tout ça en n'utilisant que des gadgets. C'est en multistage parce qu'il va se connecter à ma machine. Je vais lui envoyer
une autre payload qui va allouer de la mémoire, un loader DLL, un exécutable, enfin un loader d'exécutable, et ensuite je rebalance un exécutable par ailleurs. Donc au minimum c'est en deux voire trois stages. Ça c'est le premier stage. Bon, je vais vous faire la démo. Alors, oula, voilà. Où est ma souris? Alors, ok, bon. Bon, Odlo, je vais générer mon fichier. Et là, en fait, vous pouvez voir que je peux définir un host, ça va être ma machine, ou à partir duquel je vais envoyer mon premier stager et puis ma payload. Et puis un port de connexion, parce que mon sprite a besoin de se connecter à ma machine. Donc, c'est déjà configuré dans le firewall. Et je vais avoir le contrôle de la machine, donc je vais ouvrir un handler meterpreter. Bon, L-host, c'est toujours le même. Oula. Donc en gros, je génère ma payload et j'ai une vérification si mes pointeurs sont bien corrects au niveau des caractères acceptés en fait. Et j'ai mon listener et je mets le stager. Donc voilà, on arrive au soft, enfin. Et en gros, c'est un fichier, comment vous appelez ça? Un fichier de playlist en fait. Bon, ça je... Hop, yes, yes. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, ben, je suis désolé, la démo, elle a merdé. Effet démo. Et en gros, en fait,
Oh, fait Antonio, je suis désolé. Loin de merci, j'y peux rien. Par contre, en fait, ce que je devrais avoir, c'est un shell meterplater sur la VM, car j'envoie la payload et j'exécute du code. Mais bon, le Metasploit, apparemment, il me fait la gueule aujourd'hui. Donc voilà. Je vais repasser sur la diapo. Bon, alors, qu'est-ce que le futur nous réserve en termes d'exploitation? Déjà que c'est très difficile à exploiter, on aura droit à des sandbox bien plus durs, dans le sens où Joanna Rutowska a présenté un principe d'OS assez intéressant en fait. Chaque application que vous lancez est lancée dans un espace virtualisé et donc complètement en ségrégation avec les autres process. Donc si vous arrivez quand même à pirater ce processus, vous finissez dans un espace virtualisé où vous avez accès qu'aux données du programme. Et donc vous n'avez pas accès à l'ensemble de la machine. Déjà de ce point de vue-là, c'est sympa. D'un autre point de vue, elle a créé aussi des espaces d'échange entre les différents espaces virtuels et des différents domaines en fait. Donc si vous arrivez à pirater le programme qui est dans la VM, vous devez sortir de la VM et sortir du domaine pour atteindre l'ordinateur en fait, toutes les données. Ce qui est quand même deux ou trois couches de protection virtualisée à bypasser. Donc ça c'est fait avec une technologie hardware intégrée dans les processeurs Intel et AMD, VTX et Pacifica. Bon, c'est des noms différents pour la même chose. Et aussi comme Virtual Labs ou Damien a présenté ce matin dans sa présentation Android, il y a une séparation entre les process dans Android. Chaque process en fait est lancé sous un user. Donc si vous arrivez à pirater l'application, vous avez accès qu'aux données du programme en fait. Une meilleure utilisation de tous les langages non natifs, c'est-à-dire pas de C, pas de C++, on va plutôt parler de web. La mode c'est les applications web, le Java Enterprise, le C#, 90% des stages ou des jobs sont dedans, l'informatique. Et aussi tout ce qui est kernel exploitation, Stéphane va nous présenter ça tout à l'heure. Vous avez, il y a un ou deux ans, au STIC, ils ont présenté un remote buffer overflow sur du kernel, il me semble. Donc vous finissez root directos. Et tout ce qui est race condition, timing attacks, très difficile et très peu maîtrisé en fait. Un très bon exemple, ça serait l'exemple de Greg Hoglund sur les MMORPG massivement online. Et en fait, si vous arrivez à envoyer les bons paquets au bon moment au serveur, vous pouvez finir avec, un milliard de monnaies virtuelles en 2 secondes, enfin 1 ou 2 secondes. Donc ça permet de cheater, entre autres. Mais il y a des exploitations qui se font aussi dedans. Tout ce qui est web, cloud, Anonymous, les DDoS, les leaks HBGary, les SQLi, enfin, on est dans la conjecture actuelle, c'est Anonymous et LULS. Donc voilà. Et il y a aussi de la recherche qui est faite au niveau des passwords. Les passwords, c'est assez rigolo parce que maintenant, les dernières cartes, je crois qu'elles doivent taper dans les 20 milliards de hash secondes. Donc si vous avez un petit password de 6 caractères, il ne tient même pas un millième de seconde. C'est plus la peine des passwords. Ils sont en train de penser à un système de certificat ou quelque chose du genre. Et une des dernières choses, la sécurité, c'est bien techniquement. On va toujours essayer d'exploiter. L'exploitation, ça va pas mourir. Il y aura toujours des développeurs feignants, mauvais ou tout ce que vous voulez. Mais la faille, avant tout, elle est humaine. C'est vous aurez beau mettre des protections, des firewalls, des IDS, des honeypots, et toute l'infrastructure qui va bien avec, vous n'arriverez pas du tout à sécuriser votre infrastructure si les personnes qui sont derrière cette infrastructure sont incapables de la sécuriser et n'ont aucune sensibilisation vis-à-vis de la sécurité. Un exemple très courant, ça serait le post-it avec le password sous l'écran.
ou un password utilisé sur 10 comptes. On a le password, on a tous les comptes. Débile. Donc voilà. Des questions ? Et pour le spread, je le posterai sur mon blog qui est binholic.blogspot.com et j'expliquerai son fonctionnement. On a le temps pour environ une question. Et vous pourrez voir chez vous que la méthode démo, elle fonctionne pas trop. Ça marche plutôt bien en fait. N'hésitez pas, hein, parce que c'est une conf très technique que j'ai dû condenser en 30 minutes. Enfin, en 30 minutes, 25 minutes. Alors, il faut des bases d'assembleurs, de systèmes d'exploitation, de binaires, de fonctionnement de loader et de shellcode. C'est clair. C'est clair. Bon. Merci beaucoup, M101. On va... voilà. Ok, pas de questions. On va passer à la conf.